contexte normal, celui-là n'en fait qu'à sa façon. Je l'ai trouvé au fond d'un tiroir, tout froissé, mais il n'a pas de sens, n'a pas de thème, mais c'est ça qui me plaît. Ce texte-là, il est libre. Non, il se fait pas vide, il avance comme il le souhaite, au gré de mon stylo de vie, excusez-moi. Ce texte me paraît fou, ça continue et ça repart, je mets des mots un peu partout. Je voulais un texte parfait, plein de sentiments et d'émotions. J'ai un texte pas refait, plein de piments et de déviations. Je mets des mots, c'est pas faux, mais j'ai pris ma plume à l'envers, ça semble aller correctement. Mais en fait, ça va de travers, j'ai la guitare qui me démange. Je veux un son qui frotte, ce texte-là aura la couleur du hip-hop. Ça bouge dans tous les sens, mais est-ce que tu comprends? Il n'en fait qu'à sa tête. C'est pas le rythme que je prends, il accélère, il avance, à 200 comme un fou. Les mots s'entremêlent, mais ce texte-là, il s'en fout. Je réfléchis à la chute, je sais pas comment y venir. Je pense à un refrain, mais là, j'ai pas le temps de finir. Hey, pause. Laisse-moi respirer. Attends juste 3 secondes, après, je vais redémarrer. 1, 2, 3. Ça y est, c'est parti, tu trouves pas que ça va trop vite? C'est pas moi, c'est les mots qu'on choisit le rythme de la musique. Je sais pas où on va, mais je sais qu'on y va. Sans thème, rien n'a de sens, désolé, je te vois pas. Mais c'est fou ça, je sais même pas où je vous emmène. J'écris sans réfléchir, là j'avoue, y'a un problème. Ce texte, c'est un rebelle, il voulait l'indépendance, avoir la vie belle. Pendant que les autres dansent, il voulait se démarquer pour sortir du contexte. Maintenant c'est bien malin, j'ai un con de texte. J'ai des mots plein la bouche, des idées plein la tête. Mais quand tout part en vrille, ça fait un vrai casse-tête. Je fais comme je peux pour qu'il revienne à la maison. Il n'écoute rien, il se voit comme à la maison. Je vais le remettre au bout du tiroir si ça continue comme ça. Avec une gommette pour que je me souvienne qu'il ne va pas. Et attendez, je crois que j'aperçois la fin. J'en suis même pas certaine, de loin je vois pas très bien. Dites-moi à quoi ça ressemble, la fin d'un texte parfait. Pareil que c'est la dernière phrase qui doit faire effet. Généralement même, on termine par une chute. Ça tombe bien, tiens, j'ai prévu le parachute. Merci, merci Dorian.
Moi je vous fais un peu de bruit parce que je ne comprends pas beaucoup la...